Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je viens donc vers vous en ce 2 janvier 2022. Et bien d'ores et déjà pour vous souhaiter une année 2022 aussi belle que possible. Je ne pense pas pouvoir anticiper qu'elle sera simple, mais je ne crois pas que la simplicité soit nécessairement quelque chose qui nous permette de nous réaliser. Mais en tout cas, je vous souhaite une année 2022 de conscience, de choix, de paix, de joie, je dirais malgré tout, ou en tout cas avec les circonstances extérieures, pour faire en sorte d'aller de plus en plus vers votre chemin, vers vous-même, à l'écoute de votre corps, de vos besoins et de votre bien-être. Alors justement, pour honorer toutes ces belles paroles, je voulais vous proposer aujourd'hui un automassage très simple, qu'il est recommandé par, alors, plus que la médecine traditionnelle chinoise, plutôt la médecine vietnamienne que l'on appelle le Dien Cham. Vous avez dû très certainement voir dans des vidéos d'automassage du visage des petits instruments comme celui-ci avec des petites pointes. Alors, je ne vais pas utiliser ça aujourd'hui parce que l'idée, c'était vraiment que ce soit un automassage qui puisse être utilisé par tout le monde, notamment avec les doigts, voire avec un stylo. Bref, avec tout instrument que l'on a sous la main parce que ce n'est pas nécessairement dans le suréquipement en instrument que l'on est le plus à même de faire des bons automassages du visage. Donc, vous avez en tout cas nécessairement entendu parler de ça qui s'appelle un Ridoki. Le Ridoki, qu'on utilise aujourd'hui beaucoup à des visées esthétiques, est en fait un instrument qui a été conçu dans l'optique de la médecine traditionnelle vietnamienne qui s'appelle le Dien Cham, qui repose, comme la médecine chinoise, sur la notion de circulation d'énergie au travers de plein de points que nous avons au niveau du visage et qui propose aussi une projection extrêmement intéressante du corps au niveau du visage. Alors, c'est un petit peu complexe quand on commence à rentrer dans cette médecine parce qu'on a plein de cartes différentes de projection du corps sur le visage. Et donc, on s'aperçoit que, par exemple, quand on masse ici, on est au niveau de la colonne vertébrale. Là, ici, on est au niveau de la zone des aisselles. Là, ici, on est au niveau des jambes. Hein, et puis ici, on est au niveau de la tête. Et puis là, ici, on a le bas des jambes, etc. Ce qui est très intéressant dans ce massage et dans cette philosophie, c'est notamment de se reconnecter avec l'idée que quand on touche le visage, en fait, on touche le corps dans son ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans le yoga du visage, que j'essaye en tout cas de communiquer au maximum et que toutes les élèves, j'ai Sally Carole qui est une de mes élèves de formation qui vient d'arriver. Et c'est très important d'avoir ça en tête. Pourquoi ? Parce que l'esthétique n'est pas coupée du bien-être et de la santé et du fait de se sentir bien dans son corps. Là aussi, vous le savez, dans le yoga du visage, on a vraiment un principe très fort qui est de déconstruire l'idée selon laquelle il faut souffrir pour être belle, parce qu'en fait, la souffrance, bien sûr, occasionne des contractions musculaires de muscles au niveau du visage qui vont avoir tendance à déformer le visage dans le sens que l'on n'aime pas, en le tirant vers le bas ou en marquant des rides d'expression. Mais au-delà de ça, la beauté, dans ce que l'on prône en yoga du visage, n'est nécessairement présente que si le corps est en bonne santé. Et on voit que ça fait un écho, c'est-à-dire que si on prend soin de son corps, le visage peut rayonner, et si on prend soin de son visage de façon consciente avec des bons gestes, eh bien on contribue aussi à guérir son corps. Ce qui va donc être l'objet de ce massage. Alors, je vous ai préparé cet instrument. Ça, c'est vraiment un instrument qui vient du Dien Cham. Vous voyez, c'est une petite pointe légèrement arrondie qui peut permettre comme ça de venir faire certains mouvements de massage. Mais je vous invite, on va commencer par le faire avec les doigts. Puis après, si jamais parmi vous, il y en a qui ont ces instruments ou qui veulent simplement utiliser la partie arrondie du stylo. Vous savez, les stylos 4 couleurs chez Bic, au bout, il y a une petite boule. Ben, c'est parfait pour faire ce massage. Alors, on est parti. Frottez bien vos paumes de main pour les réchauffer. Et non seulement pour les réchauffer, mais aussi pour amener du chi dans vos mains. Et puis, on va commencer par masser cette zone qui est là, ici. Alors, si on regarde la projection du Dien Cham, on a dit la tête ici, les bras ici, là, on a les aisselles, ici, la colonne, là, les jambes et les pieds qui se rejoignent ici. Donc, en fait, quand on va masser ici, c'est comme si on venait pomper, d'une certaine façon, hein, ceci est très symbolique, les ganglions au niveau des aisselles. Donc, en tout cas, c'est un automassage.
Je pense que vous allez sentir qu'il va apporter beaucoup de chaleur au niveau du visage, donner une grande sensation aussi de circulation, de libération au niveau du visage. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus vrai quand on le fait avec la petite pointe qui est plus précise, mais ça fonctionne quand même très bien avec les doigts, et qui va aussi permettre d'harmoniser les systèmes nerveux, etc. C'est un massage ultra puissant, mais tout simple. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, enfin moi en tout cas, c'est ce que j'essaye d'appliquer pour moi, avec bien sûr beaucoup de faux pas, parce que la période n'est pas facile, mais justement de revenir au corps et de revenir à des choses simples, parce que notre corps est d'une intelligence extraordinaire. Et c'est bien plus souvent, je trouve, en se mettant à son écoute qu'à l'écoute de toutes les sirènes extérieures, que l'on arrive à avancer dans une direction qui nous correspond pleinement. J'y reviendrai à la fin d'ailleurs. Alors on va commencer ici donc avec les index. Et on va masser de la naissance du sourcil jusqu'en bas ici de l'os zygomatique au niveau du coin interne. Et on va faire 30 passages. Alors vous pouvez faire soit 30 passages d'un coup, soit faire tout le cycle que l'on va faire en faisant 10 mouvements à chaque fois et faire le cycle du coup 3 fois. J'en suis à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Maintenant, on va masser la colonne vertébrale. On part ici de la zone entre les sourcils et on va jusqu'au bout du nez. Et pareil, 30 fois. Bien sûr, n'oubliez pas de respirer. Dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente. Maintenant, on va se placer ici au niveau des hanches, en passant de sur la narine à sous la narine. Et on recommence nos petits massages. Pour celles parmi vous qui suivent régulièrement les tutos et qui connaissent les points d'acupression, on sait aussi qu'on en a ici de très précieux, notamment le point gros intestin 20 sur le méridien du gros intestin qui est très précieux pour libérer les sinus et favoriser la circulation des fluides au niveau du visage. J'ai un peu oublié de compter de ce fait, mais je crois que j'en suis à peu près à 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On continue notre parcours, on va venir maintenant au niveau des jambes. Les jambes se trouvent finalement sur le fameux sillon nasogénien. Donc on va le longer ce sillon et hop, on descend. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi c'est vrai que j'adore cette sensation. C'est un peu une révélation aussi et la découverte de ces massages, que d'ailleurs je dois vous remercier de m'avoir incité à faire parce que vous avez été nombreuses, alors pas tant sur YouTube mais surtout sur Instagram, à me poser des questions sur le Ridoki. Et je me suis dit, tiens, il faut quand même que je creuse cette question, je ne connaissais pas le Ridoki, donc je me suis renseignée aussi sur la médecine vietnamienne, le système, parce que dans tous ces instruments, c'est vraiment important aussi de se dire que ce sont en général les instruments qui viennent de la médecine, pas de l'esthétique. Donc c'est important de bien les utiliser parce que cela, si ça vient de la médecine, ça va veut dire que ça a un impact sur le corps et sur la santé. Et on ne voudrait pas, on ne veut surtout pas que notre beauté se fasse au détriment de notre santé. Là encore, je n'ai pas compté, mais je pense qu'on va bientôt arriver à 30. Et maintenant, on va passer ici au-dessus de la ligne du menton. Donc c'est un massage en 6 étapes. Nous sommes à la 5e. Et enfin, dernière étape, on va tourner autour de l'oreille. Je crois que c'est la partie que je préfère personnellement. Je les aime toutes, mais je trouve que
masser le contour de l'oreille est extrêmement relaxant. Et là encore, pour celles d'entre vous qui sont intéressées par l'acupression ou qui ont fait la formation avec moi, vous savez à quel point on a aussi un nombre considérable de points d'acupression autour de l'oreille. On y reviendra d'ailleurs sur un en particulier. Et on tourne. Comme ceci. Donc on remonte devant et on tourne derrière. Six. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Petit massage qu'il est recommandé de faire tous les jours. Moi, personnellement, je trouve que c'est un massage qui apporte de la chaleur, un sentiment d'ouverture, de dynamisme au visage. Donc, je trouve qu'il est particulièrement adapté le matin avec la petite précaution qu'il ne doit pas être fait avant la fin des 3 mois de grossesse pour les femmes enceintes. Alors maintenant, si on est équipé d'un petit instrument, donc en général un ridoki, il y a un côté comme ça avec des petits picots en laiton, on y reviendra dans une prochaine vidéo pour les utilisations. Et puis on a un côté sous la forme de petite pointe, qui bien sûr n'est pas une pointe comme une aiguille, mais une petite pointe arrondie qui peut donc tout à fait se trouver aussi au niveau des stylos, et je le répète pour celles qui nous rejoignent, au niveau des bics, vous savez les bics 4 couleurs, il y a la petite bille tout en haut, c'est parfait. Donc ce que l'on a fait avec les doigts, dans ce cas-là on va le faire en fait avec la pointe, comme ça, en faisant un côté puis l'autre. Donc là, je vais le faire juste 10 fois pour ne pas non plus faire durer cette vidéo trop longtemps, puisque je sais qu'aujourd'hui, on n'a plus tellement de temps de regarder des longues vidéos. 8, 9 et 10. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans tous les cas, il est préférable d'avoir quand même préparé le visage préalablement avec un petit peu de crème ou d'huile. Et puis maintenant, ici, on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tourne autour des narines. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le sillon. Et le sillon de l'autre côté. Le menton. Nos petits va-et-vient. Et enfin, autour de l'oreille, on va comme ça tourner, oups, avec notre petite baguette magique, tout autour de l'oreille. Alors, c'est vrai qu'en termes de sensation, on a une sensation de beaucoup plus grande précision avec la petite pointe, mais honnêtement, les doigts sont quand même excellents pour ça. Et ça, pour le coup, on les a toujours sous la main. Alors c'est intéressant aussi parce que dans le Dien Sham, on a cette notion de yin et de yang par rapport à la matière et à la forme en fait des instruments. Certains vont être destinés à condenser l'énergie et d'autres à la diffuser. Donc ce qui est yang dans les instruments va condenser, et donc cette petite pointe est yang par exemple, et ça c'est yin parce que ça fait plein de petites pointes qui vont plutôt diffuser l'énergie. Donc ça c'est une autre dimension aussi que l'on retrouve dans le Dien Sham et qui est intéressant aussi d'avoir en tête quand on pratique, notamment parce que vous savez dans la médecine chinoise on considère que nos organes peuvent être en déficit de yin, en déficit de yang, en excès de yin, en excès de yang, etc. Et que comme on fait de la réflexologie sur le visage et que l'on impacte ce faisant les organes du corps, bah là aussi c'est important de le faire en conscience pour ne pas, bah, par exemple, sur un foie qui est en surchauffe par excès de colère ou au moment de la ménopause, ne pas venir sur le visage avec un outil yang et finalement contribuer inconsciemment à renforcer le feu du foie.
Voilà pour ce petit massage. Donc, comme je vous le disais, ça se trouve bien sûr comme instrument à part entière, mais ça peut tout à fait se faire aussi avec la petite bille au bout d'un stylo Bic 4 couleurs. En sachant que ces petits instruments se trouvent sur des sites, je vous conseille d'aller plutôt vers des sites, en tout cas si vous voulez commander, des sites plutôt techniques de Diensham, parce que vous êtes sûr de la fabrication et du fait que les instruments soient vraiment configurés pour assister à la fois votre bien-être, votre santé et votre beauté. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui comme petit automassage de nouvelle année que je vous invite à faire tous les matins. Vous voyez, c'est très rapide, 30 passages d'un coup ou 3 fois 10 passages en refaisant donc un cycle de 10 passages 3 fois. Massage dynamisant, tonifiant, réchauffant, vivifiant qui favorise aussi la circulation lymphatique en 6 étapes. La seule contre-indication majeure, c'est vraiment pour les futures mamans avant la fin du 3e mois de grossesse. Je vous souhaite encore une très très belle année. Je voulais aussi vous partager deux informations. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, la toute précédente, sur un tirage au sort pour vous offrir des instruments pour tous les achats de cours en ligne de plus de 50 euros. Et vous vous souvenez, j'étais très enrhumée. Finalement, j'étais bien malade après cette vidéo. Donc, je n'ai pas pu faire le tirage au sort que je vais faire en tout début de semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses à gagner. Des gouachas de la marque Santara, des rollers de la marque Santara et de la marque Percé. Une paire de Cryo Spoon également. Donc, n'hésitez pas, les cours en ligne, tout est programmé jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, toute la programmation est faite. Et puis, je voulais vous parler aussi des formations. Alors, j'ai formé beaucoup, beaucoup de personnes l'année dernière et en fait, je ressens le besoin là de faire une petite pause dans les formations. Donc, il y a une formation en février à Paris qui est complète. Je pense que ce sera la dernière avant un petit moment en personne. Et j'ai programmé une date de formation en ligne en avril sur 2 week-ends et je pense que ce sera la seule pour 2022, de manière aussi à entretenir, à nourrir le réseau des élèves qui ont d'ores et déjà été formés, parce que c'est important aussi, je ne suis pas là pour faire de la quantité et avoir plein de personnes qui ont fait la formation juste pour qu'elles aient fait la formation, mais j'ai aussi à cœur de les accompagner au mieux derrière dans l'enseignement. Et j'avais eu des questions aussi, est-ce qu'il y aura des formations qui seront 100% enregistrées? Alors non, je ne souhaite pas faire des formations 100% enregistrées. Non pas parce que je ne veux pas laisser l'accès au plus grand nombre, mais parce qu'il est extrêmement important pour moi de connaître les élèves personnellement pour pouvoir les accompagner aussi au mieux et être certaine après que quand elles se lancent dans l'enseignement, elles aient toutes les clés pour bien le faire. Parce que le yoga du visage, comme toute discipline naturelle, c'est une discipline magique, c'est une discipline remarquable, elle est extrêmement efficace, mais elle nécessite d'être vraiment enseignée avec conscience parce que quand on touche le visage, on ne touche pas n'importe quoi. On ne touche pas que de la peau, des muscles, du collagène, etc. On touche, on le voit ici au travers de la réflexologie, le bien-être et la santé, à la fois physique et émotionnelle. Et en ce sens, il est extrêmement important que vous puissiez, vous en tant qu'élève ou vous en tant qu'enseignante, avoir toutes les clés pour être parfaitement accompagnée au mieux. Donc voilà, il y aura cette session de formation en avril et puis ce sera la seule pour 2022. L'idée étant de peut-être développer autre chose, mais avec les personnes qui ont d'ores et déjà été formées. Je vous souhaite encore une très très belle année. J'ai hâte de vous revoir en direct sur YouTube ou sur Instagram ou dans les cours en ligne. En tout cas, prenez grand soin de vous. Je ne pense pas que cette année 2022 sera simple. Je pense que ce serait peut-être s'auto-mentir que de penser que ce sera une année simple. Mais en tout cas, cette période nous invite indéniablement à trouver notre axe, à trouver notre centre, à nous connecter à notre force intérieure et à mettre les limites sur ce que nous ne souhaitons pas, que ce soit sur le plan personnel, global, et nous oblige donc à être de plus en plus proches de l'être que nous sommes vraiment. Donc je vous invite à la vivre comme telle. 2021 nous avait déjà bien préparé, 2020 aussi, mais je pense que 2022 sera une année aussi extrêmement importante en ce sens. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Honorez-le, ne négociez rien par rapport à votre santé et à votre bien-être. Ce seront les clés pour traverser, je pense, cette année avec le maximum de bien-être, de beauté et de sérénité. Je vous embrasse chaleureusement, je vous dis à très vite et encore très belle année à toutes.